Morne Heights Municipal Council for November. Thank you for coming out on this chilly evening. Winter is coming, so let's get ready. Donc, les questions, ça va être à la fin de la réunion. Comme d'habitude, juste à vous nommer, on va essayer de répondre à vos questions le mieux qu'on peut. Bonne réunion à tous. Et donc, membres du conseil, vous avez pris, peut-être juste avant, does anybody not understand French? Ça va? Tout le monde est francophone. Donc, on va faire la réunion en français. Your mic is off. On va faire la réunion en français et si vous avez des questions en anglais, gênez-vous pas. C'est mieux. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, modifications? Okay. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications, corrections? Proposé par Mme Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Qui propose l'adoption? Je propose. Mme Patneau propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 22 octobre. Encore une fois, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que tout est correct? Correct. Qui propose? Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 23 octobre. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 4.1, c'est pour dépôt, le rapport sur le suivi des dossiers et le rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Également, on a eu le rapport sur les transferts budgétaires. Est-ce des questions sur ces trois rapports-là? Non. Donc, on va aller à 5.1, bon de vos dépenses, Monsieur le ministre. Oui. J'ai vu le bord de haute dépense pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024 qui s'élève à 2 906 045 $. Et les principales dépenses ont été des remboursements de la banque pour Desjardins Entreprises et la banque, je pense que c'est nationale. Okay. Donc, des remboursements de règlement d'emprunt? C'est ça. Et ensuite, il y a eu le deuxième paiement pour la Sûreté du Québec, 675 491 $ et des dépenses habituelles. Je recommande l'adoption. Parfait. Donc, je vous dis qu'en 2025, on va avoir un micro pour tout le monde, parce qu'on entend très mal les autres conseillers. Donc, M. Lemire disait qu'il y a 2,9 millions de dépenses. Les grosses dépenses, c'est les remboursements de règlement d'emprunt, la Sûreté du Québec à 675 000, je m'avais dit, et des travaux, si je ne me trompe pas, sur Blue Hills et barrage Lac Peter. Donc, M. Lemire propose la recommandation. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Je suis d'accord, oui. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lemire. Bonsoir, M. le maire. Merci. Alors, je dépose tel que c'est fait usuellement là, tous les mois l'état des activités financières le 31 octobre 2024. Alors, on amorce évidemment le dernier droit de l'exercice financier. Les choses se présentent plutôt même très bien. Les revenus des mutations, là, provenant des mutations, des droits de mutation immobilière sont au rendez-vous. Alors, on va. Donc, on est en bonne voie d'atteindre les objectifs qui avaient été fixés dans le budget de fonctionnement. Et j'informe également le conseil que tous les revenus, les autres revenus qui avaient été budgétés pour l'exercice financier 2024 ont déjà été réalisés. Donc, on se dirige là, vers un surplus que je qualifierais, là, si c'est-à-ci, de léger. Il reste encore quand même 2 mois d'exercice financier à accomplir. On ne sait jamais qu'est-ce que l'hiver peut nous réserver là, comme mois de décembre. Alors, ça, c'est une chose.
Et conformément donc à l'article 176.4 du Code municipal, je dépose l'état comparatif des revenus et dépenses au 30 septembre 2024, de même que l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice courant en date du 31 octobre 2024 par rapport au budget de l'exercice courant. Donc, les trois rapports, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions, membre du conseil? Non. Ah bon, merci. 5.4.1, résolution de concordance et de courte échéance, un emprunt par billet au montant de 357 000 qui sera réalisé le 20 novembre 2024. Monsieur le président. Oui, alors il s'agit ici de renouvellement là, d'emprunt au montant de 357 000 $ et donc tel qu'indiqué dans le titre de la résolution sera réalisé le 20 novembre 2024. Il s'agit plus spécifiquement des règlements d'emprunt 556-2018 pour l'éclairage des rues Augusta, Balmoral et Glen Abbey au montant de 26 200 $ Règlement d'emprunt dans ce cas-ci est remboursable via une taxe de secteur. Le règlement 575-2019 sur les travaux de voirie 2019 au montant de 171 100 $ est remboursable dans ce cas-ci par une taxe générale. Et le règlement 665-2023 pourvoyant au financement de travaux visant l'augmentation de la capacité du poste d'aqueduc Balmoral et décrétant un emprunt en conséquence. Donc, il s'agit aussi d'un règlement d'emprunt remboursable via une taxe de secteur. On parle ici de 160 000 $ Alors, voilà, la résolution là, vise à évidemment autoriser là, l'émission des billets. Conformément à la loi. Parfait. Qui propose l'émission des billets pour les trois règlements d'emprunt? Je le bien propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, avis de motion et dépôt de projet règlement 766-2024 sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'année financière 2025. Donc, l'avis de motion est donné que le règlement 766-2024 sur les taxes, tarifs, frais et services compensation pour l'exercice financier 2025 sera présenté lors d'une prochaine session et que le projet de règlement sur les taxes, tarifs, frais de services et compensations pour l'exercice financier 2025 est déposé au conseil séance tenante. Donc, vous avez pris connaissance du règlement et on va le déposer au mois de décembre quand le budget sera fait. Donc, qui propose l'avis de motion? Monsieur Lemay donne l'avis de motion. Merci beaucoup. 5.4.3, dépôt du rôle d'évaluation foncière 2025, 2026, 2027. C'est déposé au conseil par nos évaluateurs Erin Beck pour ceux qui étaient curieux de l'augmentation moyenne est de 64%. Les évaluations montent en moyenne de 64% pour l'ensemble du territoire de Moorheights. Donc, c'est dans la même veine que les dépôts de rôle dans les autres municipalités alentour. Dans les années 2024. Je voudrais signaler au passage que en fait, l'ensemble du rôle est disponible en ligne et tous les propriétaires, tous les contribuables peuvent consulter dès maintenant leur nouvelle valeur foncière en ligne. Exact. Donc, si vous allez au site de la MRC des Bélarots et vous allez sur l'évaluation foncière, vous pouvez consulter votre nouvelle évaluation pour 2025, 2026 et 2027. Et vous avez jusqu'à mois de mai, si je ne me trompe pas. 30 avril 2025 pour le contester si jamais vous n'êtes pas d'accord avec votre évaluation. Peut-être également, juste pour préciser que même si l'évaluation monte de 64%, ça ne veut pas dire que vos taxes vont augmenter de 64%. Nous allons faire un exercice de baisse de taux de taxes pour essayer de compenser le plus possible qu'on peut. Mais c'est important de le dire. Si vous avez une augmentation qui est au-delà de 64%, vous allez avoir une augmentation de taxes. Si vous avez une augmentation de valeur en dessous de 64%, vous allez avoir une baisse de taxes. Et si vous avez 64% pile, ben vous allez suivre l'augmentation du conseil qui est à peu près, je vous dirais, le taux de l'inflation qui devrait être à 1,8% pour cette année. C'est l'objectif que le conseil a donné aux services administratifs pour le budget 2025. 5.4.4, adjudication de l'émission de billets, renouvellement d'emprunt d'hiver. Alors, on fait suite donc à la résolution qui autorisait le renouvellement des règlements d'emprunt via l'émission de billets. Conformément aux articles 10.65 et suivants du Code municipal,
Donc, il a été procédé à l'appel d'offres qui est requis en pareille circonstance. Donc, la municipalité a demandé par l'entremise du service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 20 novembre 2024 au montant de 357 300 $. Suite à l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée, donc que je viens de désigner, le ministère des Finances a reçu, conformément à la loi, trois soumissions conformes, soit celle de la financière Banque nationale incorporée, donc Caisse des Jardins de la Vallée des Pays d'en haut et la Banque royale du Canada. Et recommandation est faite là, d'accepter l'offre qui est faite de par financière Banque nationale Inc. pour son emprunt par billet en date du 20 novembre 2024 au montant de 357 300 $. Donc, pour les règlements d'emprunt numéro 556-2018, 575-2019 et 665-2023. Je vous signale au passage que ça nous permet d'avoir des taux d'intérêt là, qui se chiffrent à, en moyenne de 3,7%. On se souvient qu'il y a quelques mois à peine, on avait renouvelé des règlements d'emprunt à 5,2%. Donc, la tendance est meilleure. Là. Les conditions de financement sont plus intéressantes pour des organismes publics comme le nôtre. C'est des bonnes nouvelles. Donc, qui propose d'accepter l'offre de la financière Banque nationale pour le règlement d'emprunt? Madame Cossette propose? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1, rapport mensuel de notre directeur service incendie. Vous avez pris connaissance du rapport, y a-t-il des questions? Les communiqués à titre d'information de la Sûreté du Québec, vous avez pris connaissance? Tout est beau à ce sujet-là. Embauche, pompier junior, 6.3.1. Monsieur Lévin. Oui, on a un poste de pompier qui est disponible suite à la démission de l'un de ceux-ci. Le service de sécurité publique et incendie, conformément aux politiques en vigueur et à la convention collective des pompiers, va procéder à un appel de candidature pour combler le poste en fait disponible et vacant de pompiers à temps partiel et sur appel. Le comité de sélection formé du directeur ainsi que de ses officiers a procédé à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Recommandation de procéder à l'embauche de M. Ulrich Doyon, à titre de pompier junior et premier répondant à temps partiel sur appel, conditions prévues par la convention collective et aux politiques qui sont en vigueur. Qui propose d'embaucher M. Doyon, à titre de pompier junior? Je propose. Mme Padneau propose, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Vous ne me rajeunissez pas, j'ai coaché M. Doyon au soccer quand il avait 4 ans. Puis il est rendu pompier à moi. Et on le félicite pour son embauche. 7.1, rapport mensuel de notre directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Non. 7.2.1, contrat d'acquisition d'un camion de déneigement d'Iro. Monsieur Lévin. Oui, alors, évidemment, on a établi dans le programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026 les objectifs de notre programme de renouvellement, évidemment, et d'acquisition de véhicules au service des travaux publics, des infrastructures plus particulièrement. La municipalité a procédé à un appel d'offres public le 18 septembre 2024 pour l'achat d'un camion de déneigement d'Iro. On a évidemment dans le processus, comme c'est le cas habituellement, là, et en fait comme c'est toujours le cas, procédé suivant les dispositions du règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité a reçu trois soumissions dans les délais prescrits par le devis, soit équipement Profit incorporé, à 449 234 $38 Globocam Montréal incorporé 406 143 $44 et Robitaille Équipement incorporé à 478 870 $88. Recommandation après vérification en fait, toutes les soumissions étaient conformes, évidemment d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, c'est-à-dire Globocam Montréal incorporé à 406 143 $44 Parfait. Qui propose l'achat du Dio au plus bas soumissionnaire? Je propose. Monsieur Saunier propose? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.2.2, contrat acquisition d'un balai ramasseur neuf pour le chargeur sur vous. Monsieur
Alors, là aussi, on est donc dans le programme triennal d'immobilisation de la municipalité de cette année. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation le 18 septembre 2024 pour l'achat d'un balai ramasseur neuf pour chargeur sur roue et a invité les entreprises suivantes à soumissionner, soit Liber Canada Limité, Longus Equipment Incorporé et Brent Tractor Limited, ainsi que, enfin, Jean-René Lafont Incorporé. La municipalité a reçu 4 soumissions dans les délais prescrits par le devis. Toutes les soumissions étaient conformes suivant vérification. Donc, Brent Tractor Limited à 68 663,24 $ taxes incluses. Jean-René Lafont Incorporé à 65 861,75 $ taxes incluses. Liber Canada Limité, 64 359,56 $ taxes incluses. Et Longus Équipement, 62 276,21 $. Recommandation donc au plus bas soumissionnaire conforme, Longus Equipment Incorporé, 62 276,21 $ taxes incluses. En fait, qui propose l'achat du balai à 62 276,21 $? Je propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Peut-être juste pour informer les gens dans la salle, c'est des remplacements. Ce n'est pas des équipements neufs, c'est des vieux équipements qu'on a vendus ou mis au hangar et on les remplace par des neufs. Là. 7, 2, 3, acceptation finale, réflexion du pavage, chemin du village entre la rue Carver et la route 364. M. Lévin. Oui, alors en juillet 2023, il y a un contrat qui a été octroyé pour la réfection de chaussée du chemin du village entre la rue Carver et la route 364 à pavage Multipro incorporé. Alors, le directeur des travaux publics des infrastructures et les ingénieurs au projet recommandent l'acceptation finale des 10 travaux. Évidemment, toutes les pièces justificatives ont été produites au dossier. Les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis. Résolution visant à libérer la retenue de 5 497,05 $ taxes incluses. Qui propose de libérer la retenue? Je propose. Mme Padmé propose. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Merci. 7, 2, 4. Entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Adèle concernant le déneigement de certaines voies publiques. Alors, depuis quelques années, la municipalité, la ville de Sainte-Adèle, collabore au maintien en vigueur depuis plusieurs années une entente qui était jusqu'à aujourd'hui, on espère, non écrite, visant le déneigement, donc en gros de 585 mètres du chemin du lac Bouchette, qui est situé du côté de la ville de Sainte-Adèle, la rue de la Randonnée, donc, et également une portion du chemin des Roserins qu'on souhaite voir rajouter cette année. Et la ville et la municipalité ont conduit un projet d'entente pour formaliser le tout dans le cadre qui est prévu par la loi pour ce qui est des ententes intermunicipales. Et donc, l'objet de la résolution, c'est d'autoriser à approuver la conclusion d'une entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Adèle pour le déneigement de 585 mètres linéaires du chemin du lac Bouchette, de la rue de la Randonnée et du chemin des Roselins, au montant donc de 11 700 $. Excellent. Qui propose l'entente de déneigement? Je propose. Ce sont les propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Et juste peut-être pour dire pour les gens qui ne connaissent pas le secteur, il n'y a aucun débouché au bout du chemin du lac Bouchette, donc les gens, il faut qu'ils passent par Mont-Lex pour se rendre à Sainte-Adèle. Donc, c'est vraiment plus efficace que la ville de Mont-Lex le fasse à la place de Sainte-Adèle. 7, 2, 5, acceptation provisoire, travaux correctifs pour la mise aux normes du lac Peter. Monsieur Lévin. Oui, alors, en septembre 2023, il y a une résolution qui a été adoptée par le Conseil, octroyer le contrat pour les travaux correctifs visant la mise aux normes du barrage du lac Peter à Indico Incorporé. Les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis. Il y a une recommandation du directeur des travaux publics et des infrastructures ainsi que des ingénieurs au projet pour l'acceptation provisoire donc des dits travaux, objet de la résolution donc d'accepter la réception provisoire de ces travaux-là. Évidemment de procéder à une revenue de 5 % de tel que c'est recommandé par le directeur des travaux publics. Merci beaucoup. Qui propose l'acceptation provisoire des travaux? Je propose. Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Rapport sur les traitements des demandes et requêtes, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. D'accord. 8.1, rapport mensuel de la directrice d'urbanisme. Vous avez pris connaissance du rapport. Est-ce que tout était
Comprendre? Oui. Tout est beau. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Donc, Mme Cossette, on est rendu à 54 maisons de construction. 54 maisons neuves à Morlaix pour l'année 2024 à date. 8.3, bien, on n'a pas reçu de rapport de la Société de protection et de contrôle des animaux. Donc, on va aller aux dérogations mineures. Monsieur le Président, on va commencer avec la dérogation mineure 406, chemin du lac Écou. 506, le chemin du lac. Donc, c'est une demande de dérogation mineure relativement à la marge de recul latérale gauche, donc à 3,2 mètres. C'est un agrandissement projeté du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige une marge minimale de 4,5 mètres. Alors, on le voit là, c'est bien sur la carte, là, ici. Avec photo du bâtiment existant. Alors, l'analyse donc de la demande de dérogation mineure a été faite conformément au règlement et le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de cette demande également et en recommande l'approbation. Tel que demandé et selon le plan de projet d'implantation signé par M. Dubé, Alex Dubé, Arpenteur Gironde. Il n'y a pas eu de personne qui s'est opposée à la dérogation? Non, pas antérieurement, mais évidemment, il faut aller en. Oui, on est là. Donc, mon petit conseil, est-ce que vous avez des questions concernant la dérogation de l'âge? Donc, j'ouvre des questions à la salle. Est-ce que vous avez des questions uniquement sur cette dérogation de l'âge-là? 3.2 à place de 4.5 mètres. On peut voir que le terrain est irrégulier là, au point où ce qui est situé la maison. On dit que ça va, c'est au bout du lac Écou, puis ça relie totalement. Son terrain, oui, mais le voisin est juste à côté. C'est ça la dérogation. Là. C'est la maison qui est juste à côté. La marge latérale. Oui, exact. Pas de questions? Donc, on va fermer la réunion, la consultation publique à 19h52. Qui propose la dérogation mineure? Je propose. M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Merci beaucoup. On va aller à 842, dérogation mineure, 17, rue des Elfes. Est-ce qu'on est ouvert? C'est bon. Monsieur Lemay, à 19h52. Voilà, donc, implantation projetée d'un abri de dos à l'intérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. Entre le prolongement imaginaire des façades latérales du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur exige que l'implantation soit à l'extérieur de l'espace délimité entre la façade avant du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. Alors, la topographie du terrain évite les possibilités d'implantation conforme à la réglementation. Et la position d'installation sanitaire limite les possibilités d'implantation conforme à la réglementation. Donc, l'emplacement projeté s'avère l'endroit le plus propice pour la construction. Et donc, la dérogation mineure apparaît comme étant suffisamment motivée. Encore une fois, le CCE a procédé à l'analyse de cette demande et recommande au conseil de l'approuver. Parfait. En tout cas, est-ce que vous avez des questions concernant la dérogation mineure? Bien que ça. Donc, j'ouvre à la salle si vous avez des questions concernant cette dérogation mineure. On voit très bien que ça s'installe sur un plateau, là, puis partout alentour du bâtiment, c'est des terrains assez escarpés. Là. Donc, c'est pour ça, j'imagine, que le CCE recommande la dérogation. Ça va? Donc, on ferme ça à 19h54. Et je demanderai un proposeur pour l'adoption du. Je propose. Un panneau propose, tout le monde est d'accord? Oui. Pour l'adoption de la dérogation. 8.4.3. Et 8.4.4, on va les faire ensemble, si vous voulez, M. Lépine, c'est plus facile à comprendre. Absolument. Dérogation mineure, lot A, à 8.4.3, sur le chemin des hauteurs, et dans la prochaine résolution, ça va être 8.4.4, dérogation mineure, lot B. Vous allez voir qu'ils sont liés ensemble. Donc, allez-y. Oui. Alors, donc, d'une part, la superficie du lot, donc, de 6998,8
sur 7108,7 m², alors que la réglementation en vigueur exige une superficie minimale de 8000 m². Donc, on a une demande de dérogation là, pour ratisser les deux lots en question, en deçà de ce qui est prescrit par le règlement. Autre élément, largeur minimale du lot à 32,07 m, alors que la réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 50 m continue, calculée à la ligne avant du lot. Autre élément également, profondeur minimale du lot de 26,68 sur 39,75 m, alors que la réglementation en vigueur exige une profondeur minimale de 60 m calculée à chacune des lignes latérales d'un lot à partir de la ligne avant de ce lot et à partir du point central de la ligne avant vers l'intérieur du lot. Et enfin, la forme irrégulière du lot, alors que la réglementation en vigueur exige que la forme d'un lot soit régulière, c'est-à-dire qu'elle représente une forme généralement rectangulaire en évitant des lignes brisées. Donc, ça fait au bas mot un total de 8 éléments de dérogation pour ces deux lots-là. Le comité consultatif d'urbanisme va analyser évidemment cette demande-là, recommande au conseil de la rejeter. Parfait, membre du conseil. Donc, pour ces deux résolutions-là, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, j'ouvre à la salle les deux dérogations mineures, soit le lot A et le lot B, qu'on voit ici à l'écran. Et la recommandation du comité consultatif à l'urbanisme, ça serait de ne pas octroyer la dérogation mineure, puisque ce n'est pas des dérogations mineures tant qu'il y a de dérogations incluses à ces deux lots-là. Explication? On notera aussi au passage, il y a plusieurs éléments de dérogation qui sont plus majeurs que mineurs. Exact. Donc, malheureusement, ce n'est pas mineur. Donc, qui propose de rejeter les deux demandes de dérogation? Je propose. Okay. Monsieur Saunier propose pour les deux résolutions. Pour les deux résolutions. Merci beaucoup. Proposer, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. On va aller à 845, lot 3206672, rue des Huards, PIA. Oui, alors PIA, ici dans un secteur d'élévation, et l'intervention qui est visée, c'est la construction d'un bâtiment principal. Alors, je vais aller évidemment au vif là, de l'analyse, au résumé de l'analyse. C'est quand même. On peut peut-être montrer à l'écran là, la construction qui est projetée. On comprend qu'en vertu du règlement sur les PIA, ce projet-là est soumis donc à une approbation formelle. Alors, on voit ici là, qu'est-ce qui est présenté là, sous différents angles. Alors, on va aller au résumé directement de la demande. Alors, l'évaluation a été faite. On voit que tous les éléments, tous les critères prévus par le règlement donc sont respectés. Et évidemment, la recommandation est faite dans ce cas précis d'approuver le PIA tel que soumis. Faites juste informer les gens dans la salle, un PIA n'est pas assujetti à une consultation publique. C'est le conseil qui décide si le PIA est adopté ou non. Donc, c'est pour ça que je ne vous poserai pas la question si vous avez des questions concernant le PIA. Donc, membre du conseil, y a-t-il quelqu'un qui propose l'adoption du PIA? Je propose. Badenoch propose, moi, on est d'accord? Oui. Oui. Merci. 846, PIA, lot 6,458,715, rang 4. Alors, c'est la même chose, même situation là, que le dossier précédent. Donc, PIA, secteur d'élévation, construction. Le bâtiment principal, alors on a ici une illustration, en fait des illustrations de construction qui est projetée dans la rang 4. Alors, on va aller directement, si vous permettez, M. le maire, oui. Au résumé de l'évaluation. Donc, la volumétrie, c'est respecté, couvert végétal respecté, donc simulé par la végétation, ce critère-là n'est pas respecté. Visibilité de la rue partiellement respectée et les quatre autres critères, hauteur, topographie naturelle, matériaux et couleurs et éclairage sont respectés. Donc, on parle de 7 critères respectés, un non respecté et un partiellement. Donc, on attribue une note là, de 81%
Et donc, la recommandation qui est faite, c'est d'approuver le PIA avec l'ajout d'une condition qui est une garantie financière pour le déboisement à court avant pour assurer le respect du nombre d'arbres minimum requis. Parfait. Qui propose le PIA avec la garantie financière? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les photos que vous voyez, peut-être juste se retourner, vous avez fait excusez-moi, la lèvre. Oui, c'est ça. Les photos que vous voyez avec les critères, là, qui est à la fin de celui-là, c'est les photos du voisinage. Donc, les personnes qui sont assujetties au PIA doivent démontrer ce que les maisons alentour ont l'air pour s'assurer qu'ils s'intègrent avec l'architecture qu'ils proposent. Donc, on voit les maisons qui sont dans le voisinage de la demande. On va aller au PIA, l'eau 6 218 820, rue des Trois-Pierres. Alors, rue des Trois-Pierres, autre situation semblable qui nécessite l'approbation de PIA. Donc, on est dans un secteur d'élévation et le projet, c'est la construction d'un bâtiment principal également. On a des illustrations de la construction qui est projetée. Avec la démonstration que c'est dans un secteur d'élévation. On va aller directement, donc, pour résumer les critères qui ont été évalués. Évidemment, on comprend que le CCU a également analysé les différentes demandes de PIA qu'on vient d'approuver ici. Alors, si vous voyez là, assez bien à l'écran, il y a 6 critères qui sont respectés, 2 critères non respectés. On parle de 75% des critères atteint. Donc, la recommandation au conseil, c'est d'approuver le PIA avec l'ajout d'une condition qui est une garantie financière pour le reboisement. En fait, qui propose l'acceptation du PIA avec garantie financière? Je propose. Madame Padlon propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. Merci. Oui. 851, levée de probation, Madame Jessica Leblanc. Donc, attendu que Madame Jessica Leblanc a été embauchée comme employée salariée à l'essai, à titre d'adjointe administrative à compter du 2 juillet 2024 et selon la résolution du conseil municipal 289.07.24, considérant l'évaluation positive du rendement de Mme Leblanc effectuée par la directrice de l'urbanisme et de l'environnement et sa recommandation en ce sens. Il est proposé d'autoriser le changement de statut de Mme Jessica Leblanc afin qu'elle obtienne, à titre d'adjointe administrative, un poste d'employé régulier salarié avec tous les avantages qui y sont rattachés en vertu des politiques de la convention collective applicable en vigueur et je dois vous dire que Mme Leblanc fait un excellent travail au comptoir de l'Hôtel de Ville. Elle accueille très bien les gens dans les deux langues et puis j'aimerais savoir qui propose la changement de statut. Monsieur Lemire propose? Je suis heureux qui a engagé la madame. Ah, vous avez fait un bon travail, Monsieur Lemire. J'ai recommandé la madame. Bon travail, donc on accueille Mme Leblanc à titre d'employée permanente chez vous. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 861, dépôt rapport de consultation publique sur le règlement 753-2024 sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. Monsieur le Président. Oui, alors conformément à la loi, donc consultation publique qui a été tenue le mois dernier relativement au projet de règlement 753-2024 sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. Il n'y a pas eu d'amendements qui ont été soumis à l'occasion de la consultation publique de ce règlement. Parfait. Donc, c'est pour le dépôt. Oui, on va aller à la prochaine résolution qui est l'adoption du règlement 753-2024 sur les ententes relatives aux travaux et aux services municipaux. Donc, vous pouvez peut-être juste faire un bref résumé des modifications. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de me faire bref, mais c'est quand même un assez... Donc, gros règlement, là, mais en gros, ce règlement, il instaure un nouveau cadre de gestion pour l'implantation des nouvelles infrastructures publiques nécessaires pour la réalisation des projets de développement immobilier et il établit un cheminement, une procédure uniforme pour l'ensemble des projets soumis par les promoteurs immobiliers. On a déjà procédé à l'étude de ce projet de règlement-là. On en est rendu à l'étape de l'adoption finale et par la suite, ce projet de règlement-là, si adopté, va être transmis à la MRC pour vérification de conformité au schéma d'aménagement. OK.
Donc, pour ceux qui suivent les réunions du conseil, on a déjà parlé dans les réunions précédentes, c'est un protocole de marche à suivre pour les promoteurs de nouveaux projets immobiliers. Donc, c'est beaucoup plus contraignant que ce qu'on avait avant. Avant, on travaillait avec la politique, le règlement sur l'urbanisme et la politique sur la construction de chemins. On a tout mis ça ensemble, on a rajouté les garanties financières et tout va être là pour votre consultation si vous avez des questions sur le site web à partir de plus tard cette semaine. Je me propose, il est déjà là, demain matin. Il est déjà, effectivement, vous avez raison, il est déjà en ligne. Je pense qu'il est en ligne. Donc, qui propose l'adoption du règlement 753-2024? Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller à 863, dépôt, rapport de consultation publique sur le règlement 763-2024, modifiant le nouveau règlement de zonage 642-2022 afin de permettre une meilleure application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Alors donc, je dépose le rapport de consultation publique tenu donc la même soirée que la consultation publique pour le règlement précédent. Il y a eu quelques amendements qui ont été donc présentés lors de la consultation publique qui consistaient en des recommandations de la MRC à des fins de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le projet de règlement qui est soumis aujourd'hui contient ces amendements-là. Évidemment, je dépose donc le rapport de consultation publique à cet effet. Merci beaucoup, c'est pour le dépôt. On va aller à 864, l'adoption de ce règlement-là, le règlement 763-2024, modifiant le nouveau règlement 642-2022 de zonage afin de permettre une meilleure application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Donc en gros, ce règlement-là harmonise les marges de recul applicables lorsqu'il y a un spa avec un abri ou seulement un spa. Il étend la norme relative à l'imposition de l'intrant végétal pour les climatiseurs à tout équipement. Et ajoute un certain nombre de précisions, là, article 182 relatif aux zones à risque d'éboulement, afin de rendre celui-ci conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Parfait. Qui propose l'adoption du règlement? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On va à la 865, dépôt, rapport de consultation publique sur le règlement 764-2024, modifiant de nouveau le règlement 643-2022 de l'officinement, afin de permettre une nouvelle application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Oui, ben alors là aussi, dépôt de rapport de la consultation publique tenue le mois dernier, dans la même soirée que la consultation publique relative au règlement précédent. Il n'y a pas de remarque à ajouter là-dessus, c'est un dépôt. Projet de règlement assez simple. Oui. Excellent, merci. Donc, c'était pour le dépôt, on va aller à 866. Adoption du règlement 764-2024, modifiant de nouveau le règlement 643-2022 de lotissement afin de permettre une nouvelle application de certaines nouvelles normes et d'apporter certaines précisions à d'autres dispositions. Alors, ce règlement donc corrige en fait l'article 54 concernant les modifications de l'eau dérogatoire en remplaçant l'expression l'agrandissement par l'expression la modification. Excellent. La motion avait été donnée par M. Saunier. Est-ce que vous proposez l'adoption? Je propose, oui. Proposé par M. Saunier. On est d'accord? Oui. Merci. 867. Bon, on arrive à bout de nos rapports de consultation. Vous avez trouvé ça moyen mieux. Dépôt de rapport de consultation publique sur le règlement 765-2024, modifiant le règlement 644-2022 de construction afin d'apporter certaines précisions concernant les appareils de combustion lampe. Donc, encore une fois, c'est pour dépôt. Il n'y a pas eu de commentaire durant la consultation publique. Il y a des questions, membre du conseil? Non, pas de questions. Ça va. 868, adoption du règlement 765-2024, modifié à le règlement 644-2022 de construction, afin d'apporter certaines précisions concernant les appareils de combustion lampe. Monsieur Lévy. Oui, alors, donc, celui-ci modifie l'article 26 du règlement de construction. Là, c'est l'article 26, c'est un article relatif aux appareils de combustion lampe de manière à lever l'interdiction. Qui est inclus dans les cas où l'appareil de combustion lente installé est certifié EPA ou CAN-CSA-B415.1, où l'appareil à combustion solide installé détient une cote EPA certifiant l'émission de particules fines par l'appareil à moins de 2,5 g par heure. Dans ces cas, une attestation de conformité par l'installateur ou par un expert certifié en la matière doit être fournie aux fonctionnaires désignés. Donc, on vise en fait à faciliter la vie aux citoyens.
Parce qu'on avait, dans le règlement, on avait carrément interdit les appareils à combustion lente, donc on voulait être un petit peu plus facile à faire pour aller là-dedans. Donc, qui propose le règlement? Je propose. Monsieur Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.1, vous avez pris connaissance du rapport de notre directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? Non. 9.3.1, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Donc, attendu que le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Attendu que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Attendu que la bibliothèque publique offre ses œuvres et des documents reflétant différents points de vue qui sont eux-mêmes le reflet du moment de l'histoire auquel ils appartiennent. Attendu que la bibliothèque publique est une composante essentielle des sociétés de la connaissance qui s'adapte en permanence aux nouveaux moyens de communication pour remplir ses missions, soit fournir un accès universel à l'information et en favoriser l'appropriation par toutes et par tous. Attendu que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de cultures et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation de savoir faite d'exploration, d'échange de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et combler leurs besoins de connaissances, d'informations et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice de développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde. Comme le proclame l'UNESCO, ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. Attendu que le même manifeste de l'UNESCO déclare que les collections et les services ne doivent être soumis à aucune forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ni à aucune pression commerciale. Attendu que plusieurs situations, partout à travers le monde, laissent craindre pour le rôle fondamental des bibliothèques de diffuser des contenus diversifiés dans le respect de la liberté intellectuelle et d'expression. Il est proposé qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de Morin-Heights reconnaisse officiellement que les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise personnelle des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leurs collections, et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Donc, membre du conseil, je pense que c'est une résolution importante et j'aimerais qu'on le fasse à l'unanimité, si vous permettez. Donc, merci beaucoup. Et je crois que la bibliothèque fait ce job-là de façon exemplaire et je leur félicite pour ça. Merci, membre du conseil. 9.4.1, acquisition des lots 3,737,180 et 3,738,068, 3,737,180. On va l'avoir. Donc, vous avez vite. Oui, alors, les propriétaires donc, des deux lots dont vous venez de nommer sont situés le long de l'emprise de l'ancien chemin Charbonneau, aujourd'hui fermé, et le long du corridor aérobique. Donc, les propriétaires ont offert de vendre les 10 lots à la municipalité pour un montant de 190 000 $ plus taxes. Il a été pris en considération que les sentiers Burke, Viner, Coureur des Bois et Alternatifs traversent ces lots et l'acquisition de l'acquisition des deux lots qu'on vient de mentionner permettrait de les pérenniser. On se rappelle que le plan d'urbanisme de la municipalité comporte une orientation visant la protection environnementale de 30% du territoire d'ici 2030. L'offre de vente des propriétaires apparaît tout à fait juste et raisonnable à la lumière de la mise à jour récente là, du rôle d'évaluation foncière. Et donc, à titre de directeur général, je vous recommande, de même que la directrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire, d'accepter cette offre et de compléter la transaction projetée suivant les termes du projet d'acte de vente dont vous avez pu prendre connaissance. La transaction serait financée via le Fonds des parcs et espaces verts. Merci beaucoup. Qui propose l'achat des deux terrains?
Mme Patel propose et ils sont d'accord. Oui. Fait, juste pour informer les gens de la salle, c'est un terrain dans le nord de la ville qui borde les terrains de Skidmore Heights et on parle de 50 acres de terrain pour 190 000 $. Donc, c'est un très bon achat pour la préservation des sentiers et de la nature dans la municipalité. Merci. Et 961, embauche d'une apparitrice, monsieur. Oui, alors, l'objet de cette résolution-là, c'est de permettre l'embauche de Mme Stéphanie Renaud à titre d'apparitrice, donc comme employée saisonnière occasionnelle pour l'hiver 2024-2025. Mme Renaud est employée de la municipalité depuis 5 ans, là, comme employée saisonnière, surtout à titre de préposée à l'accueil. Donc, la résolution permettra à Mme Renaud de pouvoir, entre autres, faire le remplacement là, des apparitaires réguliers là, du service. Parfait. Qui propose l'embauche de Mme Renaud? Je propose. Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 971, programme Circonflex. Achat regroupé d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Monsieur le Président. Oui, alors le gouvernement du Québec a annoncé le financement du programme Circonflex afin que la population ait accès gratuitement à divers équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Il y a 2 millions de dollars qui seront alloués pour la région des Laurentides sur un investissement de 40 millions de dollars sur 5 ans. C'est dans le cas des Laurentides, l'unité régionale du loisir et du sport qui gère le projet et qui tente actuellement de fédérer l'ensemble des municipalités des Laurentides. Donc, pour monter un projet, le budget approximatif par centrale est d'environ 50 000 $ par milieu et il doit être utilisé d'ici le 31 mars 2025. Il n'y a pas d'engagement financier en tant que tel pour la municipalité, c'est simplement un engagement de poursuivre des discussions sur le projet pour éventuellement élaborer là, ce qui sera éventuellement inclus dans cette roulotte là, qui va permettre... donc, aux municipalités de la MRC de pouvoir partager et permettre donc, d'atteindre les objectifs du programme. Oui, il y a plusieurs autres municipalités de la MRC qui ont déjà adopté cette résolution-là, donc qui propose d'appuyer le projet Circonflex. Je propose. Mme Badenau le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ça devient fait. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance envoyée et reçue par la municipalité. Y a-t-il des questions? Oui. Ça va? J'aimerais peut-être à ce moment-ci juste féliciter les gens des loisirs pour la merveilleuse fête d'Halloween qu'on a eu au centre du village. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont participé, mais c'était très réussi, un beau succès. La musique sur la rue principale, les enfants sont bien amusés. Donc, félicitations à toute l'équipe des loisirs, l'équipe des sentiers qui était là, l'équipe des travaux publics et l'équipe d'incendie qui donnait des bonbons également à les enfants de la ville. Également, j'aimerais remercier tous les enfants, les professeurs et les parents de l'école de Mornings pour leur participation aux cérémonies du jour du souvenir. Il y avait, à chaque année, les enfants de l'école viennent à pied de l'école le 11 novembre à 11 h pour se rappeler l'engagement et les sacrifices des gens qui sont battus pour notre liberté. Et je leur salue de continuer cette belle tradition-là. Ça a été vraiment un beau succès aussi. Donc, à ce moment-ci, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, juste vous nommer à la main et on va essayer de répondre le mieux qu'on peut à vos questions, si vous en avez. Climatisation. Oui. Vous devez fermer la climatisation. Parce que... Roger. Ah, oui. J'aimerais avoir des nouvelles sur les décisions du conseil municipal à propos de de ce qui va se passer au Castelmarine, les projets que vous avez. Oui. Le mois passé, vous m'avez pris un petit peu au dépourvu avec votre sentier sur les terrains de Castelmarine. Je pensais que c'était quelque chose qui avait été coordonné avec le service des sentiers, mais ce n'était pas le cas. Là. C'est un projet que vous avez présenté en sous-comité du comité d'environnement. Et puis, c'est un très beau projet, mais je salue votre engagement. Mais malheureusement, les ressources ne sont pas là pour commencer à faire des nouveaux sentiers tout de suite. C'est un beau projet, je pense qu'on va le faire dans le futur, mais pour l'instant, les employés ont en masse à faire avec juste nettoyer les sentiers et les préparer pour l'hiver. Ce qu'ils vont faire à Castelmarine pour cet hiver, c'est un sentier tapé pour la marche et la raquette et des sentiers pour ce qu'ils font similaires à ce qu'il y avait l'année passée. Ben, c'était pas ma question d'aujourd'hui. Quelle est votre question d'aujourd'hui? Si on regarde sur le portail citoyen, oui.
On avait en octobre, dans les grands projets Castelmaille, qui devait avoir une décision de prise. Oui. Et en novembre, devait être annoncé. Ouais, la décision de prise, c'est de laisser Castelmaille tel quel. Donc, on ne fera rien avec les bâtiments et on laisse le site en parc. Suite aux consultations publiques qu'on a eues, je pense que vous avez participé. Là. Oui. La grande majorité des gens voulaient qu'on laisse ça comme ça. Et pour l'instant, on laisse ça comme ça. La seule chose qu'on a faite à date de différence cette année, c'est qu'on l'a loué pour un tournage de télévision qui a rapporté quand même des sous assez substantiels à la municipalité. Là. Donc, pour l'instant, on laisse ça comme ça. On maintient les bâtiments et on maintient le parc tel quel. C'est ça le plan pour vous le... Vous n'avez aucun autre projet à côté que vous, on n'est pas au courant? On ne fait pas des choses en cachette, même. C'est... OK. Ça a répondu à votre question? Ça répond à ma question, oui. Sauf que je m'attendais à ce qu'il y ait une annonce à ce sujet-là, puis c'est écrit dans le portail. Je vous le fais, l'annonce ce soir, qu'il n'y aura pas rien de fait à Castelmaille. OK. Donc, il y a encore des tournages, par contre? Oui. Oui, mais je pense qu'il y en a un autre de prévu au mois de décembre. Okay. Mais je ne suis pas sûr que c'est réglé encore. Un autre tournage. Okay. Mais donc, ça permet minimalement de payer l'entretien. Vous savez les dates et les conséquences sur l'accès? Ben, je pense que l'hiver, il y aura minimalement de conséquences sur l'accès. Là. Je ne suis pas au courant encore des derniers donc, développements. Ça va être annoncé un peu comme la dernière fois. Oui, c'est ça, sur le site web de la ville. Okay. Et avec une pancarte au stationnement, j'imagine, comme l'autre fois aussi. Là. Mais je pense que c'est moins long, hein, M. Lépine. Oui, puis, il prennent moins gras dans l'ensemble du site. Donc, il n'y aura pas de fermeture complète là, du site. Là, okay. C'est vraiment un endroit particulier. Là, où il va y avoir un tournage. OK. C'est bon? Bien. Merci. D'autres questions? Peut-être juste pour répondre aux questions de M. Jacques du mois passé, je trouvais intéressant son, peut-être c'était pas en réunion publique, mais il nous a posé la question si on pouvait avoir une succursale de communauté à Morneck. J'ai trouvé ça très intéressant comme idée et M. Lépine va rentrer en contact avec communauté pour faire un suivi là-dessus parce que je pense que si les gens auraient accès, mettons, on donne un exemple, à l'arrière de l'hôtel de ville, on pourrait leur laisser deux, trois espaces de stationnement, puis ça pourrait sauver un auto. Pour une famille, tu sais, à place d'avoir deux autos, on pourrait avoir une auto. Et comme une auto serait une alternative très intéressante. Donc, on travaille là-dessus. Et je ne vous ai pas oublié non plus, M. Jean, pour les terrains, là, je vais faire le décompte et on va arriver avec une réponse là-dessus. Super. D'autres questions? Oui, M. Jean. Monsieur le maire, concernant le chemin du lac Écho, oui. Dans mon coin en particulier, où est-ce que vous avez mis les gardes de fou? Vous devriez peut-être envoyer un inspecteur vérifier, parce qu'il y a des arbres qui vont tomber, il y en a tombé, okay. Il y a des grosses roches, que c'est tout en train de se manger par en dessous. À un moment donné, moi je marche tous les jours, là, j'ai pas envie de me faire assommer. Je me suis fait assommer une fois. Vous voulez pas un contrat pour les arbres, non? Non. Ok, c'est bon. Donc, oui, je vais envoyer un inspecteur pour aller voir les arbres, pour s'il y a des arbres dangereux, on va s'en occuper. Puis effectivement, cette tronçon-là... Ce tronçon-là, il fait partie des tronçons qu'on a en priorité pour la réfection à 2025. On attend le PABL, qui est le programme d'accélération de la voirie locale, pour avoir les sommes pour réparer cette section. Juste avant d'arriver au terrain de base. À gauche? À gauche, oui. Côté okay. Nord. Parfait, c'est noté. En face du précipice. C'est bien noté. Merci. Merci. D'autres questions? Je demande M. Lemire. Mais non, c'est ça. Ah! Qui propose de lever l'Assemblée? Pas oui, on peut, on a quand même. Non, on va être obligé d'attendre le mois prochain, c'est pas possible. Monsieur, hey, là, je suis boussolé. Ça fait 16 ans que M. Lemire lève l'Assemblée. Donc, M. Saulier, vous proposez. Je propose de lever l'Assemblée si tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci.